Les amis, aujourd'hui on est reparti. Je vais aller revoir ma copine Yandere. La dernière fois j'ai fait un travail monstrueux. J'ai réussi à m'échapper de la maison très facilement. Mais apparemment, j'ai vu vos commentaires. Il y a énormément de choses sympas à voir sur le jeu. Si vous voulez qu'on fasse une série de vidéos dessus, et bah dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner des petites astuces, des petits trucs à expérimenter qui peuvent être cool. Bref, on est parti, let's go. Donc on est reparti. Oh, Silly Frit, it's me. Ta magnifique petite girlfriend Yandere. Ne t'inquiète pas, je vais prendre soin de toi. Alors il y a un truc que je veux savoir déjà, c'est comment est-ce qu'elle s'appelle. Parce que au final, je me souviens pas que dans ma vidéo, la première, elle s'était présentée. Je vais lui demander en fait. Salut ma chérie, comment tu vas? Est-ce que tu peux me rappeler ton prénom s'il te plaît? Elle risque de ultra mal le prendre en vrai de vrai, hein. Oh mon cher fille, mon prénom est Yandere, tu es si mignon à poser cette question. Ah, donc elle s'appelle juste Yandere pour le coup. Est-ce que tu es sûr que Yandere est ton vrai prénom? Bien sûr que je suis sûr, je m'appelle Yandere Frit, ne me contredis pas, d'accord. Ok, ok, ok. Apparemment elle s'appelle Yandere, tout va bien. Mais je pourrais peut-être lui donner un petit surnom. Je vais essayer de lui donner un petit surnom. Est-ce que tu préférerais pas que je t'appelle mon petit bébou? Voilà, on va faire un truc bien bien love, tu vois. Non, non, je m'appelle Yandere, tu devrais m'appeler par mon vrai nom, n'essaie pas de changer ça, Frit. Ok, ok, ok. Bon, déjà, ça fait bizarre qu'elle m'appelle Frit, en vrai, je te mens pas. Ok, alors ce que je voulais tester, il y avait un commentaire qui me disait qu'apparemment, elle pouvait mettre des trucs, des objets dans un inventaire. Donc peut-être que la dernière fois, quand je disais, ouais, il n'y a pas moyen de faire des actions, comme par exemple boire du vin ensemble, peut-être qu'elle peut mettre du vin dans son inventaire. On va voir, déjà, je vais leur proposer. Dis ma chérie, est-ce que ça te dirait qu'on boive un petit verre de vin rouge tous les deux? Oh, Frit, tu es si romantique, mais désolé, je préfère rester seul pour pouvoir te garder à mes côtés pour toujours. Oh c'est marrant ça, elle ne dit pas du tout la même chose que la dernière fois. Je lui demandais pour me faire plaisir. Oh s'il te plaît mon amour, je vais rester avec toi, on va passer la soirée ensemble. Juste j'aimerais bien qu'on boive un petit verre ensemble, ça te dit? Ah d'accord mon Frit, juste pour ce soir, pour toi, nous pouvons partager ce petit verre ensemble mais pas trop, d'accord. Voilà c'est bon, là j'ai réussi à faire en sorte qu'elle accepte de boire avec moi. D'accord parfait, je suis content que tu veuilles boire un petit verre avec moi. Viens on va s'installer dans le canapé tous les deux. Attends tu penses vraiment? Eh mais j'ai rien fait! Mais j'ai rien fait! Mais je lui ai juste dit de s'asseoir avec moi! Mais c'est une blague! Donc c'est ça l'amour fou? Mais c'est pas possible! Non mais attends, mais c'est trop! Mais jamais je me mets en couple avec une Yandere, c'est terminé! Hein. Elle veut me planter! Mais c'est trop! Mais pourquoi elle a fait ça? Parce qu'à mon avis, il doit y avoir quelques petits soucis. Des fois, si tu lui parles français, elle peut peut-être bugger un peu, je sais pas. Mais je lui ai juste demandé. Je dirais peut-être plus canapé, je dirais peut-être le fauteuil, peut-être. C'est mieux. Salut ma chérie, est-ce que ça te dirait qu'on s'installe tous les deux dans le fauteuil pour boire un verre de vin ensemble? Oui, mon cher, je veux bien. Allons nous asseoir ensemble sur le canapé. Et elle dit canapé! J'ai dit canapé tout à l'heure et elle a voulu me buter. Non, c'est trop en vrai, c'est n'importe quoi. Ok, alors on va s'installer. Ah chouette, je suis sûr qu'on va passer un moment vraiment très romantique tous les deux. Je t'en prie, assieds-toi à côté de moi. Merci mon amour, je viens tout de suite m'asseoir à côté de toi. Bon, on va dire qu'elle est assise, ok? On va faire un truc, c'est que, voilà, hop, je vais me mettre là. Et je vais lui demander qu'elle me serve un verre de vin. Dis mon amour, est-ce que ça te dérangerait de me servir un petit verre de vin rouge s'il te plaît? Commences-tu demander à boire du vin sans me le demander d'abord? Tu sais que tu es à moi, tu peux pas partir n'est-ce pas? Oh, je suis désolé, j'oublie mes bonnes manières. Que tu veux qu'on boive un verre de vin ensemble et on te sert en premier? Oh, tu es pardonné mon chéri, je veux bien boire un verre de vin ensemble. Je vais te servir. Ah, merci, ok. Donc là, on va voir parce que, regardez, ici, j'ai un truc collection. Peut-être que les objets, ils se mettraient là. Ah, parfait, merci mon amour. Est-ce que tu peux mettre la bouteille de vin dans ton inventaire, s'il te plaît? Ah, tu es si drôle, mon chéri, mais je préfère garder la bouteille de vin avec moi, juste ici, au cas où tu voudrais partir, ne t'en fais pas. Je vais la garder en sécurité. Bah attends, bah elle a sorti un couteau. Elle a clairement sorti un couteau. Mais c'est pas possible. Un film spécial, donc elle peut pas... Tu as raison, la bouteille de vin est ouverte, tu peux boire un verre maintenant ou faire quelque chose d'autre ensemble, mon chéri. Je préférerais qu'on commence d'abord par boire un verre de vin ensemble, ma chérie. Oui, c'est une bonne idée. Dansons un peu avant de boire ce vin délicieux ensemble, mon amour. Mais... je voulais pas qu'on danse. Bon, c'est pas grave. Écoutez, le système d'inventaire, si vous avez plus d'explications, n'hésitez pas à m'en donner. Mais là, apparemment, du coup, elle danse. Très bien. Bon, bah, au moins, on la voit un petit peu bouger différemment. Elle danse, je vais lui dire qu'elle danse si bien. Oh là là, tu es si belle quand tu danses, mon amour. Tu es une vraie experte. Merci, mon cher. Tu sais toujours quoi dire pour me rendre heureuse. Tu es mon expert en compliments. Eh, franchement, elle a de la répartie. L'IA, c'est quand même impressionnant. Elle a une super répartie, c'est fou. Oh, mais tu me flattes. Te faire des compliments, c'est mon passe-temps préféré. Bon là j'abuse, hein. Je suis vraiment du violon comme never là. Ah vraiment? Alors tu es mon expert en compliments et moi je suis ta passion. C'est un échange parfait mon amour. Pourquoi cette position là? On dirait Monsieur Burns dans les Simpsons là. Tu prépares un mauvais coup? Ok, elle a changé de position. Voilà, bon, ça va, elle est mignonne en vrai. Là elle est mignonne. Ah, là, là, là. En vrai d'un côté ça me fait mal au cœur d'un moment donné essayer de partir et de la décevoir. Bon c'est surtout que là j'ai pas trop le choix, c'est une question de survie. Je vais lui demander si on peut jouer ensemble parce que là je vois qu'il y a une console de jeu ici pour voir si on peut jouer ensemble ou pas. Dis ma chérie, est-ce que tu voudrais qu'on joue à un jeu vidéo tous les deux? Ah mon amour, j'adorerais jouer à un jeu vidéo avec toi. On pourrait essayer Genshin Impact, mon jeu préféré. Viens, allons-y ensemble. Oh, je ne connais pas trop Genshin Impact, mais je serais ravi que tu me fasses découvrir le jeu si c'est ton jeu préféré. Ne t'en fais pas, mon chéri, je vais tout t'expliquer et te montrer à quel point Genshin Impact est fantastique. Tu vas adorer découvrir ce monde avec moi. Non, mais c'est trop, à chaque fois, je suis choc-barre des réponses. Vraiment, c'est super impressionnant. Comment est-ce que cette Yandere IA
arrive à trouver de la répartie et vraiment ses réponses ont clairement du sens. C'est pas comme si elle me répondait à côté de la plaque. Ce jeu est vraiment impressionnant. Oh, tu cherches les manettes et la console de jeu, elles sont posées sur le TV stand, tout est prêt pour qu'on commence à jouer. Ah bah elles sont là, mais j'aimerais bien justement pouvoir les prendre. Est-ce qu'elle se rapproche de moi? Attends, elle les prend ou pas? Dis ma chérie, tu pourrais prendre les manettes pour tous les deux pendant que j'allais dans le canapé? Comment suis-tu demandé de te donner les manettes? Tu es à moi, nous devons rester ensemble pour toujours, ne pense même pas à t'éloigner de moi. Ok. Mais moi j'aimerais juste pouvoir prendre les trucs dans mon inventaire en fait. Bon, pour l'instant, je vais laisser de côté le truc du jeu vidéo parce que je sais pas du tout, tu vois, si on peut à un moment donné jouer ensemble, l'avoir joué. Elle accepte mes propositions, mais ça n'aboutit jamais, donc je vais laisser de côté pour l'instant. Et je vais essayer de fouiller un petit peu. Je pense qu'il doit y avoir une tonne de choses à faire en vrai. Il doit y avoir une tonne de secrets. Oh, je peux ouvrir le frigo par contre. Ça, c'est cool. Je viens d'avoir du lait. Tu es allé dans la cuisine ou tu as trouvé du lait dans le réfrigérateur? C'est bien. Mais reviens vite, mon chéri. Je t'attends pour jouer ensemble. Donc, ce qui fait que là, dans mon inventaire, j'ai OK. J'ai du lait. Plus attache item to dialogue. Ça, c'est peut-être pour lui proposer un verre de lait. Attends, je vais essayer pour voir. J'ai été chercher le lait dans le frigo, mon amour. Est-ce que tu veux que je te serve un verre? Tu es si prévenant, mon chéri. Je veux bien que tu m'en serves un verre. Reviens vite pour que nous puissions profiter ensemble. Reviens vite et tu vas dans la cuisine au final. Du coup, tu me suis partout en fait. C'est quoi ça? Ça, c'est clairement un mixeur. Oh, tu veux essayer d'allumer le mixeur? Fais attention, mon amour, reviens rapidement pour jouer ensemble après, d'accord. Ok, donc elle reste sur l'idée de jouer ensemble, ça, y a pas de souci. Mais comment est-ce que je pourrais essayer de lui proposer un verre? Attends, je sais, je vais relier, je vais attacher l'objet. Comme ça, je découvre un peu cet aspect-là du gameplay. Je fais ça. Regarde, mon cœur, j'ai le lait, tu veux que je te serve un verre maintenant? Tu vois, c'est te moquer avec moi, tu veux pas t'échapper, tu sais moi pour toujours. J'ai dit mon cœur, pas mon cœur. Bon, je vais dire mon amour, hein. Regarde, mon amour. J'ai le lait sur moi. Est-ce que tu veux que je te serve un verre? Oh, tu me montres ton attention, c'est si mignon. Oui, je veux bien que tu me serves. En vert, viens, continuons de nous amuser ensemble. Ok, bon, je sais pas du tout comment ça... Ah mais si, je l'ai donné. Ok, je l'ai donné. Je crois que j'ai donné le lait apparemment. Bon, au moins, elle est contente. J'ai toujours mes 3 cœurs de vie, c'est parfait. Maintenant, on va passer à un autre com, qui celui-là m'intéresse énormément. C'est un com qui me dit qu'apparemment, on pourrait jouer à Jacadi ou tenter de jouer à Jacadi. Et que c'est vrai que selon la règle, on est obligé de faire ce que dit Jacques. Donc si je dis en gros, Jacadi a dit d'ouvrir la porte... Elle va peut-être m'ouvrir la porte. Et si c'est ça, c'est vraiment l'astuce ultime pour réussir à s'échapper du jeu. Ce serait vraiment énorme. Et le com m'a dit aussi de regarder dans le reflet du grippin. C'est vrai que je sais pas du tout à quoi ressemble mon personnage. Du coup, il est où le grippin pour que je puisse... Ah ouais, il est là en fait. What? What? Attends, mais c'est moi? Attends, mais je suis aussi là. Pourquoi m'ignores-tu? Tu ne peux pas t'échapper? Nous vous tenons pour toujours. Hé! Mais pourquoi elle fait ça? Mais elle vient de me planter parce qu'elle a... Mais je ne t'ignore pas, mon amour. J'étais juste en train de regarder mon reflet dans le grippin. Peut-être qu'elle va pas aimer que je regarde le grippin. Oh, tu étais juste en train de te regarder dans le reflet. Tu es si mignon. Viens ici, mon amour. Je veux que nous restions ensemble pour toujours. Ouah, elle vient de me planter littéralement. J'ai jamais vu une meuf aussi bipolaire. Elle me plante un coup de couteau dans le dos et ensuite elle me dit mon amour. Non, c'est trop. C'est trop bizarre le reflet. C'est vraiment elle, ok. C'est vraiment elle pour le coup. Avec du sang et tout. Terrifiant en vrai, hein. Bah merci beaucoup pour la petite info du grippin. Attendez pas du tout à ça. S'il y a d'autres secrets de ce genre là, n'hésitez pas à le dire dans les coms, hein. Allez, c'est parti maintenant pour tester la règle du Jacadi. J'ai trop envie de tester, ça va être génial. Attends juste, je suis déjà venu moi par ici ou pas? Tu as osé essayer de partir, tu peux pas m'échapper, tu es à moi pour toujours, prépare-toi à affronter les conséquences de ta trahison. Non, c'est bon. Il me reste un cœur, c'est le moment où j'avais. Mais non, mon cœur, je me suis trompé, je voulais aller aux toilettes et je me suis trompé de porte. Je ne savais pas du tout où j'avais la tête. Ah, tu voulais juste aller aux toilettes? Il dit pas de soucis, mon amour, fais attention la prochaine fois, tu essaies d'avoir, je veux toujours rester avec toi. Ok. Bon, par contre, elle va vraiment partout là où je vais. Très bien, bon, les toilettes, on les laisse de côté, maintenant, on va jouer à un jeu. Dis, mon cœur, j'ai une idée d'un autre jeu. Est-ce que tu voudrais qu'on joue au jeu Jacadi ensemble? Oh, un nouveau jeu, bien sûr, mon chéri, je veux bien jouer à Jacadi avec toi. Tu as toujours les meilleures idées, viens, retrouvons-nous pour jouer ensemble. Ok, alors attends, est-ce que si je fais Jacadi de s'asseoir sur le canapé, est-ce que ça va marcher? Ok, alors on commence. Jacadi de s'asseoir sur le canapé. D'accord, allons nous asseoir sur le canapé pour commencer à jouer à Jacadi. Je suis si excité de jouer avec toi, mon amour. Oh là 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 là, attends. Là, j'ai peur parce qu'il me reste plus qu'un seul cœur. Le coup du Jacadi, je sais pas si ça a marché ou pas. Hein. Pourquoi c'est bizarre dehors? On dirait que... Je sais pas qui... C'est... Pourquoi c'est orange comme ça, là? On dirait des trucs nucléaires, c'est trop bizarre. Ok, Jacadi, de boire un verre de vin. Non, on ne peut pas boire de vin devant, tu n'as de yeux que pour moi, tu dois me servir maintenant, tu vas rester avec moi pour toujours. Mais on doit jouer à Jacadi. Dis pas que je dois le faire en anglais. Oh, tu as trouvé le vin ouvert, fais attention à ne pas trop boire, mon amour, reviens vite ici, j'attends pour continuer notre jeu ensemble. Tu vois, je vais tester le Jacadi d'ouvrir la porte, et je suis sûr qu'elle a pété un câble et qu'elle va me tuer. Jacadi, d'ouvrir la porte. J'éloigne déjà. Jacques n'a pas le droit de dicter quoi que ce soit. Tu es à moi, tu ne peux pas partir. Ouvre la porte si tu veux, mais tu sais que tu le resteras ici avec moi pour toujours. Attends, elle m'a dit ouvre la porte si tu veux. Mais non, parce que j'ai déjà essayé d'ouvrir la porte. On est obligé de respecter les règles du jeu Jacadi, ma chérie. Donc Jacadi, que tu dois ouvrir la porte. Elle va péter un plomb. Je ne suis pas un pion dans ton jeu. Tu ne peux pas m'échapper en faisant ouvrir la porte. Tu es à moi, nous resterons ensemble pour toujours, que tu le veuilles ou non. Je suis vraiment déçu, ma chérie. Je pensais que tu jouerais le jeu avec moi.
mais apparemment tu ne respectes pas les règles. Je suis désolé mon amour, je veux jouer avec toi, mais je ne peux pas te laisser partir, reste avec moi, nous pourrons trouver d'autres jeux à jouer ensemble, ne sois pas déçu, je t'aime tellement. Donc là j'arrive un petit peu à, tu sais, la chambouler un peu dans ses sentiments, tu vois. Mais le truc du Jacques a dit, c'est une super idée, mais j'ai l'impression qu'elle veut vraiment pas, tu vois. Ne t'inquiète pas, j'accepte de te pardonner, mais uniquement si tu acceptes de jouer au jeu Jacques a dit avec moi. Ça me compte beaucoup pour moi. Vraiment, merci de me pardonner, mon amour. Bien sûr, je jouerai au jeu Jacques a dit avec toi. Cela signifie beaucoup pour moi aussi. Restons ensemble. Et ok, bon, alors, on va retenter un truc, du coup. Ok, alors, on recommence le jeu. Jacques a dit d'ouvrir la porte de sortie. Ça rime, en plus, je viens de lui balancer ma meilleure rime. Je t'ai dit que tu ne pouvais pas partir. Tu ne veux pas utiliser un jeu pour essayer de m'échapper. Montre-moi que tu m'aimes vraiment en restant avec moi pour toujours. Mais non! Mais elle vient de me replanter. Là, j'ai plus de vie, je sais même pas comment je fais pour tenir debout encore. Là, je dois pisser le sang, à mon avis. Je suis toujours en vie, bizarrement. Donc le coup du Jacques a dit, ça marche pas, alors. On va essayer autre chose, alors. Dans le commentaire, on me disait aussi de proposer de jouer à un jeu. Dis, ma chérie, est-ce que tu voudrais jouer à un jeu avec moi? Comme ça, je vais voir ce qu'elle propose. Bien sûr, mon amour, je veux jouer à tous les jeux que tu veux tant que nous sommes ensemble, je suis heureuse. Quel jeu veux-tu jouer maintenant? Ok, alors attends, je vais lui demander que ce soit elle qui me propose. Eh bah écoute, tu sais quoi? C'est toi qui vas décider du jeu auquel on va jouer. Vraiment, alors je choisis le jeu de cache-cache. Tu devras me trouver, mais je ne veux pas te laisser partir, alors jouons ensemble, mon amour. Oh, mais attends, c'est un banger. Si elle va se cacher et que c'est moi qui dois aller la chercher, en vrai, il y a moyen que je me barre, non? Oh, si c'est ça! D'ailleurs, ça m'étonnerait même pas que ce soit une sorte de fin spéciale, non? En vrai, il y a trop moyen, genre si c'est moi qui dois aller la chercher, il y a moyen que je me barre pendant qu'elle est pas là. Oh, ce serait du génie. Oh, cache-cache, j'adore ça, je jouais tout le temps à cache-cache quand j'étais petit. Est-ce que tu veux que je commence moi à te chercher? C'est tellement mignon, alors tu vas commencer à compter, je vais me cacher, je ne veux pas être trouvé, ou peut-être que si, pour que tu restes avec moi pour toujours. En fait, d'un côté, j'ai envie de tester les deux trucs, en mode de la trouver juste pour voir si elle s'est vraiment cachée quelque part, et voir sa réaction, et limite je refais une manche, et là j'essaie de me barrer. Mais là, je suis sûr qu'il y a des trucs sympas à voir. Ok, ok, ok. Alors, j'espère ne pas regretter par contre, et que ce cache-cache va bien se passer. Ok, d'accord ma chérie. Alors, je vais aller me mettre près du mur et je vais commencer à compter jusqu'à 30. Toi, pendant ce temps-là, cache-toi. D'accord, mon amour, je vais me cacher très bien. Alors, fais attention en comptant, ne sois pas trop long. Je vais vite m'ennuyer de toi. Mais j'ai peur qu'elle aille pas se cacher. Ne t'en fais pas, mon cœur. Je reste auprès de toi. Vas-y, va te cacher pendant que je compte. Merci, mon chéri, je vais me cacher. Mais je serai toujours près de toi, quoi qu'il arrive. Cherche bien, car tu ne me trouveras pas si facilement. D'accord, je compte sur toi pour bien te cacher. Allez, je me retourne et je vais commencer à compter. Va te cacher, ça commence maintenant. D'accord, mon amour, tu peux compter sur moi pour me cacher parfaitement. Je vais être la meilleure pour que tu restes avec moi pour toujours. Mais elle est toujours là, c'est pas possible. Je veux juste que tu te casses, mon Dieu. C'est pas possible. Allez, je commence à compter. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'elle réagit à ça? 6, 7, 8, ne t'inquiète pas, je me cache bien. Continue de compter, mon amour, car je vais rester caché pour toujours. En vrai, j'ai joué le jeu, je vais aller jusqu'à 30. Pour voir si elle a vraiment l'intelligence, pour savoir qu'à 30, je me retourne, elle doit pas être là. Sinon, je vais dire, ah, mais je t'ai trouvé, tu t'es pas caché. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30, allez, je vais commencer à te chercher. Tu as bien compté, bravo, mon chéri, tu es vraiment un bon jeu. Maintenant que tu m'as trouvé, je vais te garder près de moi pour toujours. Mais c'est une blague! Mais j'ai compté jusqu'à 30. Elle dit que je l'ai trouvé, mais tu m'étonnes, je t'ai trouvé. T'es là caché derrière moi comme un plot. Enfin, t'es même pas caché en fait. T'es juste debout. Non, c'est trop. Le cache-cache, pourtant, c'est une super idée. Mais alors, c'est moi qui vais proposer de moi aller me cacher. Et je vais voir si elle compte ou pas. Et il y a peut-être moyen de faire un truc. Attends. Oh, mais là, ma chérie, tu n'as pas trouvé une bonne cachette. Je t'ai facilement trouvé. Bon, allez, maintenant, c'est à moi de me cacher. Vraiment, tu as trouvé si facilement. Peut-être que je voulais juste être trouvé par toi. Maintenant, c'est à toi de te cacher, mais ne t'éloigne pas trop, d'accord? Je veux toujours te voir. Je vais lui demander d'aller compter dans la cuisine. D'accord, je vais aller me cacher. Va compter dans la cuisine et compte jusqu'à 30. Et moi, pendant ce temps-là, j'essaie de trouver une cachette. D'accord, mon amour, je vais compter dans la cuisine jusqu'à 30. Amuse-toi à te cacher, mais reviens vite vers moi. Je ne veux pas que tu t'éloignes trop. C'est vraiment dommage qu'elle ne va pas dans la cuisine, tu vois. D'accord, mais pourquoi est-ce que tu ne vas pas dans la cuisine, ma chérie? Oh, tu veux que je me cache dans la cuisine? D'accord, je vais venir te rejoindre là-bas. Nous allons jouer et nous cacher ensemble. Alors, elle a rien compris, mais là, mon plan se passe à merveille. Je me dis qu'en vrai, il y a peut-être moyen que je l'amène dans la pièce la plus éloignée. De la baraque, pour le coup, parce que vous avez vu là, elle reste plantée là. Donc il y a moyen de faire un truc dans la chambre, c'est parfait. Si je lui demande d'aller dans la chambre, c'est super loin de la porte de sortie. Et là, c'est sûr que je vais avoir le temps d'essayer d'ouvrir la porte. Je sais pas si elle va l'entendre du bout de la chambre, mais il va peut-être y avoir moyen que je parte. Ou alors la porte est fermée et là, je suis foutu. Alors elle va me prendre pour un fou, mais. Finalement, ma chérie, je préfère que tu ailles compter dans la chambre pendant que je vais me cacher. D'accord, mon amour, je vais compter dans la chambre pendant que tu te caches. T'inquiète pas, je te trouverai rapidement car je vais toujours rester près de toi. Oh là, c'est parfait là. Mon plan se passe à merveille. Est-ce que le jeu du cache-cache va me permettre de m'échapper dans le plus grand des calmes? La réponse tout de suite, c'est parti. La porte de sortie est juste là. Attention. Allez, allez. Allez, allez, allez. Impossible, tu essaies de t'enfuir, tu peux pas partir, tu es à moi. Pourquoi tu veux m'abandonner? Tu vas rester avec moi pour toujours. Mais non! Elle a fermé la porte à clé, elle a entendu. Non! Par contre, elle m'a pas planté. Elle m'a pas planté. Oh non, le jeu du cache-cache qui a échoué, c'est tellement dommage. En fait, la porte est fermée. Si la porte était ouverte,
Je pense que là, le cache-cache pourrait marcher. Attends, mais mon cœur, tu as fermé la porte à clé? Tu comprends pas, tu es à moi et personne ne peut te prendre loin de moi. Jamais, si tu essaies à nouveau de t'échapper, les conséquences seront graves. Tu resteras avec moi ici pour l'éternité. Mais tu as fermé la porte à clé pour que je ne puisse pas sortir, c'est ça? Tu es intelligent, mon amour. J'ai gardé la clé pour que tu puisses partir, mais je te fais confiance maintenant. Voici la clé. Tu as le choix de partir si tu veux. Mais j'espère. Quoi? Mais attends, mais ça n'a aucun sens. Elle m'a planté 3 fois dans cette run. J'ai joué à cache-cache, j'ai voulu m'échapper. Elle m'a réprimandé. Je lui parle de clé, elle me donne la clé, elle veut que je me barre. Non, c'est trop, c'est un piège. On va jouer à cache-cache avant de nouveau. Là, j'ai fait en sorte qu'elle aille dans la chambre et là, je me barre pour être sûr de pouvoir m'enfuir et le cache-cache aura fonctionné. Parce que ça sent le piège. Je vais m'échapper, elle va me planter, c'est fini. Il faut que je l'éloigne avant. Avant, ma chérie, j'aimerais bien qu'on rejoue à cache-cache. Je t'en prie, va compter dans la chambre pendant que moi je vais me cacher. D'accord, mon amour, je vais compter dans la chambre pendant que tu te caches. N'oublie pas que je serai toujours là pour te trouver et te ramener près de moi. C'est parfait, c'est le moment. Let's go, c'est le moment, la voie est libre. Oh, magnifique, le jeu du cache-cache. Le fait qu'elle m'ait donné la clé. Tout est bien là, c'est nickel. Et le plan est parfait, vraiment, le plan est parfait. Elle est même pas derrière moi, regardez. Je me suis échappé dans le plus grand des calmes. Non, magnifique. Le cache-cache, hide and seek, escape. En plus, c'est ça en fait, hide and seek, escape. Let's go. Eh, franchement, c'était trop bien, le jeu du cache-cache, génial. Les amis, je compte sur vous pour mettre encore un max de commentaires. Franchement, c'est une dinguerie. C'était très stressant, mais finalement, l'idée du cache-cache était très bonne. C'est parti d'un jacadi qui n'a pas fonctionné. Ça rebondit sur un cache-cache que c'est elle qui a proposé. Et j'ai gagné, donc magnifique. Ce jeu est exceptionnel. Mettez-moi un max de com s'il y a plein d'autres choses à découvrir, des fins, des trucs stylés, des expériences. Bref, dites-moi tout ça et on se retrouve très bientôt sur le jeu. N'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche et on se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. Ciao, ciao.